et à nous donner donc cette très bien répondre. Peut-être que le vin nature pourrait être un bon intermédiaire, un bon lien. Qu'est-ce que t'en penses, Marceau? Oui, mais je pense que c'est répondu aussi, évidemment. Si c'est la rencontre qui fait le... Et si la rencontre est bien arrosée, ça aide. Oui, sûrement. Juste faut que je fasse gaffe à ce qu'on dit. Par rapport à la réponse, parce que vous avez répondu, mais malheureusement répondu en disant que non, aujourd'hui, on ne travaille pas. Déjà, nous, au niveau local, moi, avec Alain, ça fait je ne sais même pas plus combien d'années maintenant, parce que je suis quand même beaucoup plus jeune qu'Alain, comme vous avez remarqué, mais ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Et on a toujours l'envie de construire des choses ensemble, mais on ne prend pas le temps de se voir pour déjà identifier ce qui nous oppose aussi, quand on n'est pas d'accord sur un sujet, pour trouver les solutions, et ensuite pour proposer des actions communes en faveur des combats qu'on mène en commun pourtant. Donc là, dès lors que deux personnes comme nous, qui avons une approche commune, qui sommes militants, convaincus, et on a envie, on y arrive peu, imagine en effet quand tu parles d'agences régionales, nationales ou internationales pour des coopérations logiques ensemble. On est malheureusement, je pense, dans l'utopie, même s'il faudrait y tendre et les solliciter en ce sens. Mais moi, je rejoins aussi madame, il faut démultiplier tout ce qu'on est en train de faire là. Et je pense que chacun d'entre vous, finalement, vous avez un rôle essentiel pour démultiplier avec votre voisin, avec votre ami, avec l'asso, ou même à n'importe quelle échelle, cette information, cette sensibilité, comme tu disais. Et il faut petit à petit... Et moi, je pense que ça viendra par là, plus que par des agences gouvernementales ou régionales ou autres, même si ça serait bien qu'elles aussi se réveillent et travaillent plus en collaboration et autres. Et dans ce qui t'est dit tout à l'heure, moi, j'avais une réaction qui colle aussi un peu avec ça. Pourquoi c'est important qu'on s'y mette tous à nos échelles? C'est parce qu'on a un énorme travail pour déstructurer un raisonnement qui s'est construit sur des peurs, sur de la désinformation, sur de l'ego, sur la vision que va avoir le voisin de la production ou du jardin et autres. Et là, nous, on a toutes ces notions de sensibilité, de fonctionnalité, d'environnement à apporter. Et à tout un tas d'échelles, il y a des choses très simples et basiques à comprendre pour ensuite essayer mieux faire ou faire différemment à l'échelle de son jardin, de sa commune, de son exploitation, etc. Et de transversalité probablement aussi. D'arrêter de regarder la biodiversité, l'eau, le sol, le climat, le paysage, etc. Ça c'est peut-être... Oui, tout de suite après Eric, Marc-André. Si, ça marche. Il y a un petit bouton caché. Il est bien caché. Allô, c'est bon, je prends celui-là. Donc moi je voulais réagir là-dessus parce qu'en fait il y a une échelle à laquelle des choses se passent aujourd'hui, qui est l'échelle de la ville. Et on a notamment tout le réseau des villes en transition qui intègre vraiment ces deux notions. La santé, le bien-être donc des administrés et l'écologie qui est complètement liée, la biodiversité qui est complètement liée. Donc il y a cette échelle-là qui est vraiment, vraiment très intéressante. Et ce qui est amusant, c'est de constater que la plupart de ces villes en transition sont des villes qui se sont effondrées. On passe de ville en déclin à ville en transition. Et tout simplement parce que je crois qu'on a vraiment besoin d'avoir le nez dans notre caca pour comprendre qu'il faut faire quelque chose. Et ça marche, c'est déjà ça. Et là, on commence à vraiment avoir tous le nez dans le caca. Le caca, ça reste la base de la fertilité, on l'oublie souvent. Exactement. C'est un peu ça notre problème d'ailleurs, aussi. D'être rat des pâquerettes, au rat du sol, au rat de l'humus. Hein. Il faut bien se rappeler que l'humus a donné à la fois l'humilité et à la fois l'humanité. L'humain. Marc-André. Oui, alors, il y a, par rapport au lien entre la santé de l'environnement et la santé des gens, il y a un grand mouvement intellectuel qui s'est développé, qui est
le mouvement One Health, une seule santé, qui consiste à dire qu'effectivement, il n'y a pas d'homme en bonne santé dans un environnement qui ne soit pas en bonne santé, avec des animaux qui ne soient pas en bonne santé, des plantes qui ne soient pas en bonne santé. En gros, la chose est liée de conflits de prérogatives entre des grandes institutions internationales comme la FAO, l'OMS et puis l'Office international de la santé animale, qui finalement en revenait, notamment autour des épidémies, à traiter chacun le problème de leur fenêtre. Et à un moment, au lieu de se bouffer le nez pour savoir de qui relevait une action de prévention d'une épidémie, ils se sont dit « non, on va essayer de travailler ensemble ». Et effectivement, aujourd'hui, on a opéré une jonction assez forte, je pense, dans les processus de décision internationaux, entre la santé animale et la santé humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, les médecins et les vétérinaires commencent à travailler ensemble. En revanche, dans ce mouvement-là, il y a quelque chose qui est toujours absent, qui n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas d'écologie. Il n'y a pas d'écologie. Et donc ce mouvement est à la fois extrêmement prometteur en ce qu'il est unificateur et qui permet effectivement de transcender, de créer des transdisciplinarités, de voir les propriétés émergentes, mais il ne tient toujours pas sa promesse parce qu'il est toujours monté autour de la santé animale au sens large, homme compris. Alors, dépasser ça, ce sera difficile, mais moi j'aimerais revenir sur la première intervention que vous faisiez, madame, où vous vous félicitiez de ce qu'on disait, mais bon, regardons les choses en face. Ce que nous faisons ce matin ne sert absolument à rien. Parce que qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, et bien donc c'est l'unanimité. Oui, alors évidemment... On en devisera tout à l'heure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que notre problème, c'est aussi d'aller au-delà, et c'est aussi le problème pour Wanel, c'est d'aller au-delà de la sphère déjà convaincue. Et crever ce plafond de verre, c'est quelque chose qui est difficile. Alors on me dit, oui, mais quand même, on arrive à convertir 2-3 personnes dans chaque opération. Oui, mais alors, à quel rythme ? Et ce rythme est-il compatible avec la vitesse de réaction que nous imposent les changements environnementaux ? Et là, moi, je ne suis pas tout à fait convaincu. Hein. Je suis même assez inquiet. Pour en revenir à ça, on a un réel besoin aujourd'hui de formation. Alors là, je vais reprendre quelque chose que je dis souvent. On a un vrai besoin de formation des générations suivantes pour qu'elles aient des outils d'analyse qui ne les placent pas dans les mêmes situations d'échec et dans l'impossibilité finalement de réagir et de comprendre ce qu'est un produit qu'on achète, de comprendre ce qu'est un label. On a besoin que les générations suivantes soient formées à ça. Alors, il y a des signaux positifs et négatifs. On a un signal positif qui est que cette génération, les hommes naissent généreux et ils réalisent qu'ils ont un porte-monnaie après. Donc la jeune génération, évidemment, elle est très sensible à l'environnement. Ce qu'il en restera quand elle aura à gérer son porte-monnaie, ça c'est autre chose. Hein. On commence tous à gauche et on voit très bien où ça se termine. Oui, mais c'est vrai, je veux dire, dans le rancissement, il y a le passage à droite. Hein. Et nous rancissons tous avec le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que on a un bon terreau, mais ce terreau, il est fait d'indignations qui sont hors sol. On est indigné pour l'environnement, mais enfin, on, comme moi tout à l'heure, on regarde fébrilement quand même le portable qu'on a acheté et qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc, on a un bon terreau, qui est cette indignation de la jeunesse, mais cette indignation est complètement hors sol. Elle aboutit à des mouvements qui sont des non-sens, comme le mouvement vegan, on pourra en parler. Le mouvement vegan est un mouvement complètement hors sol et complètement insensé. C'est un mouvement respectable quand il est individuel, mais quand il devient un programme collectif, c'est juste la fin des sols. Moi, je ne vois pas comment faire des sols sans leur amener de la matière organique. Et la matière organique, elle sort des animaux, en grande partie. Enfin, au moins, quand une partie de la matière organique des champs a servi à nourrir des animaux, eh bien, il n'y a que de la matière organique animale qu'on peut leur ramener. Labourage, pâturage, ce sont les mamelles de la France. Quand Sully dit ça, bon, on pourrait revenir sur le labour, mais quand il dit ça, c'est pas du tout qu'il veut nourrir les gens avec des animaux, c'est qu'il sait très bien que les excréments animaux sont ceux qui font la fertilité des sols. Donc on a une jeune génération qui est indignée, ça c'est prometteur, mais la question c'est de récupérer cette indignation en un processus de compréhension de la complexité des systèmes, et ça c'est vrai qu'aujourd'hui, la réforme du lycée qui nous a privé de SVT, hein, puis on n'a plus en terminale et en première, il n'y a plus de sciences de vie de la Terre, voilà, elle ne nous aide pas du tout à ça. Mais si je peux aller un tout petit peu plus loin, et terminer là-dessus, pourquoi nos politiques ont accepté une réforme qui ont éliminé ces SVT ? C'est parce que ces gens, en fait, sont profondément dans une logique qui est avant la prise de conscience que tu indiquais, où finalement le chasseur, l'agriculteur et le naturaliste partagent au fond les mêmes enjeux. Ils ne voient pas ces enjeux. Et c'est très sincèrement que le ministre de l'Éducation se dit que c'est pas grave de renier là-dessus.
Alors, sa sincérité est une sincérité d'incompétent, mais c'est une sincérité et il faut le respecter comme tel et se poser la question, comment demain on peut avoir des gens qui soient sincères et compétents? Et on revient à la formation initiale. L'enjeu, c'est pas d'être d'accord entre nous. C'est de créer les circonstances que la génération suivante soit capable de peser cet avis et l'avis implicite que représente la consommation d'un produit issu de l'agriculture conventionnelle. Et ça, c'est le vrai combat. Du coup, moi, je suis vraiment content d'être ici. C'est pas pour rien que j'ai pris la peine de venir physiquement. Mais je le répète, ça ne sert à rien. Et c'est ça que je suis venu vous dire ce matin. Au lieu de vous masturber entre nous, allons à l'extérieur. On va à l'extérieur, bien évidemment. On a toujours considéré que Paysage in Marsillac nous permettrait de l'intérieur d'aller vers l'extérieur. Mais c'est vrai, la manifestation, surtout écoute pas, la manifestation, elle a toujours été voulue comme ça. On se réunit dans l'intérieur pour que l'année, toute l'année, on puisse diffuser ensemble, etc. Alors je suis désolé, j'ai commis une grosse erreur, mais elle était volontaire. J'ai pas présenté les intervenants et on nous le reproche. Et pourquoi j'ai pas présenté les intervenants? Parce que d'une part, ça sert à rien. D'une part, les particules, on en a marre. Hein, les médailles, vous savez ce que disaient des proches des médailles. C'est comme les bombes, ça tombe jamais au bon endroit. Et donc, du coup, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ici, on est tous pêcheurs, chasseurs, cultivateurs, forestiers, agroforestiers, etc. Et puis, les gens se sont très bien présentés. Mais je ne le ferai plus. Et qu'on n'est pas venu vendre quelque chose, et que ces particules qui nous mettent dans une case, nous aussi, on veut les faire sauter. Voilà pourquoi, volontairement, je n'ai pas fait cet exercice. C'est comme ça. Ouais, ça s'applaudit. Non, je déconne. Tu voulais dire quelque chose, Marceau, peut-être? Ben, j'aurais voulu peut-être apporter un tout petit bémol, parce qu'à chaque fois que je viens à Paysage in Marsillac, j'apprends beaucoup de choses, et que en tant que ambassadeur, diffuseur. Je me retrouve à rediffuser ces choses-là. Et donc, je suis d'accord, sauf que je passe mon année à rencontrer des agriculteurs qui n'ont pas forcément ce prisme-là, parce que mon prisme principal, par exemple, c'est la taille. Et la taille, que vous soyez en biodynamie, en conventionnel, en bio, en agroécologie, ça demande quand même d'avoir des connaissances et une compréhension de comment la plante fonctionne. Et donc, c'est transversal. Et à partir du moment où on commence à rentrer dans un système transversal, c'est-à-dire un prisme qui permet à tout le monde de parler, je pense aux chasseurs. Quand vous avez quelqu'un qui est différent de vous, si vous commencez à essayer de parler de ce qu'il connaît et de créer un lien avec lui, après vous avez une ouverture sur la discussion. Alors ça veut dire qu'il faut commencer à parler aussi un peu entre nous, et puis il y en a un, et puis deux, puis trois, puis 100, puis 1000. Et puis c'est ça l'idée. Et ça fonctionne comme ça. Et donc cette utopie, c'est encore quelque chose qui n'est pas encore réalisé, mais on est en cours de réalisation. Le fait de le diffuser, la chaîne Vert de Terre Production, nous explique et nous montre que effectivement c'est différent de ce que l'on pense et que ce que l'on est en train de réaliser avec cette chaîne, je dis on parce que en fait je me sens complètement partie prenante et intégrée de ce système là qui n'est pas du tout pyramidal, et donc on est en train réellement de donner des outils pour faire basculer la vision que l'on peut avoir de l'agriculture. Et vous voyez que cette vision n'est pas dogmatique et que cet entre-soi n'existe moins et de moins en moins. Et c'est peut-être ce que nous racontait Hervé, d'ailleurs. Alors, mes formations, moi, je les fais à des agriculteurs qui sont des fois des conventionnels, et que je m'évertue, une fois que on est, toute la journée, on a parlé et qu'on a commencé à prendre conscience, à aimer derrière, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe, parce qu'on trouve simplement une personne qui est à un autre point de vue. Un autre point de vue qui a sa manière différente d'avancer. Moi, j'ai toujours pensé, avant de me lancer dans ce jeu-là, que j'avais raison et que probablement que les autres, ils avaient un peu plus tort. Ouais. Sauf qu'en fait, à la fin de la journée, je m'aperçois que l'autre me nourrit. Et que cette autre vision peut-être aussi est nutritive pour la personne éclairée que je suis.
et qu'elle me permet d'être plus audible et qu'elle me permet de rentrer en lien. Alors, pourtant, je suis complètement d'accord avec Marc-André. C'est cette idée d'entre-soi, mais cette idée d'entre-soi, elle est plus sur l'idée de prendre le risque de se mettre à nu parce que l'on n'a rien à vendre, effectivement. Comme l'on n'a rien à vendre et qu'on parle d'écologie, on parle de soi et on parle de l'autre en même temps. Et donc, comme on parle de soi et comme on parle de l'autre, on casse des frontières et des barrières et on n'a plus d'appartenance, on a une appartenance collective à un système global. Et je crois que le nouveau paradigme apparaît là. Et qu'en se basant sur ce nouveau paradigme-là, on ne peut qu'avoir des gens qui adhèrent, en fait. La question, c'est de savoir si on le dit parce qu'on pense qu'on a raison et qu'on veut que l'autre ait tort, ou si on le dit pour apporter une pierre au discours qui fait que le discours devient partagé. Donc, moi, je suis profondément positif parce que, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je dépends de vous. Ok, merci. Il me semblait qu'il y avait des mains qui se levaient au fond de la salle, c'est ça? Avant même que l'on prenne votre question... Ah, c'est Guillaume. Eh bien, venez, Guillaume. Ah, ben, avant, parce que j'ai une question difficile pour vous tous, du coup, qui nous arrive du direct, il nous faut, avant de sortir de cette salle, et je trouve la question intéressante, même si elle peut paraître décalée, il nous faut, avant de sortir de cette salle, et on nous le demande et on va y répondre, 5 actions super simples à faire au jardin. Pour la biodiversité, n'est-ce pas? Là, au moins, alors pas le compost, parce qu'on sait que c'est contre la biodiversité, mais les autres, on peut en parler. Guillaume, on t'écoute. Bonjour. Je devais être là-bas, mais je suis là et c'est pas si mal. Je me présente quand même 30 secondes. Je suis jardinier paysagiste comme Eric et comme Marceau de formation. Et je suis enseignant. Et je suis enseignant dans l'enseignement agricole et dans un lycée agricole. Et on est quelques-uns ici, on est au moins 3 ou 4. D'autres enseignants, pas en lycée agricole, mais qui comptent beaucoup. Et je voulais dire que quand même l'écologie, on en parlait beaucoup en lycée agricole. On est un grand nombre d'entre nous là, agriculteurs, paysagistes, arboriculteurs, à être passés par des lycées agricoles, par l'enseignement agricole public, peut-être privé, on parle beaucoup d'écologie, de biologie végétale. C'est le socle du métier pour lequel on forme nos jeunes aujourd'hui, du bac pro, du CAPA, du BTS, et ça fait partie intégrante du cœur de la formation. C'est écrit dans les référentiels de formation, c'est évalué et on en parle. Donc il y a quand même une lueur d'espoir quelque part, parce que c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être quelques briques. Il y a quelques centaines de lycées agricoles en France qui forment des paysagistes, des agriculteurs, des arboriculteurs, des horticulteurs. On est un certain nombre, un certain nombre de profs d'aménagement, d'agriculture, d'écologie, à parler et pas à parler d'une seule voix, parce que souvent on parle ensemble. Quand on forme des étudiants ou des élèves à l'aménagement du paysage, on les forme avec des profs de bio ou des profs d'écologie, des profs de bioéco. Donc on a un double regard, une double approche qui permet quand même de former des professionnels, et on en est la preuve puisque certains d'entre nous, on a suivi ce parcours-là, des professionnels relativement ouverts à toutes ces questions-là. Alors il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a un grand nombre d'apports extérieurs, la permaculture, l'agroécologie, il y a plein de choses qui infusent, et on a quand même une génération de jeunes paysagistes là qui arrivent, qui se posent beaucoup de questions. Alors c'est encore très difficile chez les professionnels intégrés, je pense que Eric voit de quoi je parle. Les collectivités ont fait beaucoup, beaucoup de choses depuis des dizaines d'années en gestion différenciée. Alors, pas toutes, mais il y en a un certain nombre, et pas forcément des très grandes, mais des toutes petites et des très grandes aussi. Il y a quand même une petite lueur d'espoir sur cette notion de la formation, et envoyez vos enfants dans l'enseignement agricole public. Voilà. Eh bien voilà, c'est dit. Quant à la question qui était posée sur des actions simples... Oui, aller pisser auprès de ses plantes. Allez, première, très bien, c'est la base. C'est une sorte de semi-direct, en fait, que tu as fait. C'est ce qu'on fait dans les toilettes sèches. On oublie qu'on a une matière première précieuse, qu'on recycle à grands frais, n'est-ce pas,
qui nous coûte une fortune et qui disparaît. Alors, sur ces 4-5 actions à faire, chacun une, comment on fait là? Parce que là, il faut qu'on avance. Hein. Il est tard. En plus, comme... Bon, c'est bien parce qu'on a, on a beaucoup sans trop l'utiliser. Oui, parce qu'il y a pousse-rapière à midi, parce que c'est ça aussi la vie. Hein, les produits de l'agroécologie, il faut les boire. J'en ai une. Eh bien, écoute. Ça me fait penser à Carlos Castaneda qui dit « ne pas faire ». Ne pas être dans le faire. Le faire, c'est... en fait, ça parle. J'ai pas besoin de rajouter. Ne pas faire. Donc, du coup, on n'est plus dans l'âge de faire, on est dans l'âge de pas faire. Ça se complique, là, depuis deux jours. Parce que, l'âge de faire, on avait compris, mais l'âge de pas faire, OK. Oui, mais ne pas faire, ça veut dire ne pas vouloir forcément induire quelque chose, mais plutôt être partie prenante de la chose que l'on est en train de réaliser. D'accord. Sachant que dans la question qui nous est posée, il faut quand même qu'il y ait quelques pommes de terre qui sortent. Et quelques fraises et des framboises, par exemple. Donc, il faut qu'on trouve. Mais Eric va nous aider à faire sortir quelques pommes de terre. C'est pour ça que nous sommes dans un monde à refaire. Et nous sommes effectivement dans un monde à refaire. À la ferme de refaire, ouais. Et la deuxième chose à faire, c'est de faire, mais savoir pourquoi. C'est la deuxième chose à faire. C'est très concret. Quand on veut faire quelque chose, là, on ne fait rien, on n'a peut-être pas de patates. Mais peut-être qu'en faisant un tout petit peu, on va pouvoir avoir des patates. Et savoir aussi ne pas exiger plus que ce dont on a besoin. La frugalité n'est pas forcément douloureuse. Et l'un des gros problèmes de tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est cette espèce de boulimie de posséder et produire. Qui est un comportement qui a mené au capitalisme sous sa forme actuelle, dont les conséquences, on les connaît au quotidien. Donc faire à minima. D'accord. Faire à minima et ne pas exiger plus que ce dont on a réellement besoin. D'accord. Bon, je vais vous donner une super idée. Alors, moi, si j'avais à répondre à cette question, on ne m'a pas posé la question, du coup, je vais y répondre. Moi, j'irais demander à mon voisin, d'ailleurs, je le fais déjà, ces noyaux pêcher de vigne, voilà, tout simplement. Puis on les échange. Ça vous va comme ça? Hein? Ben voilà, il faut que ce soit très concret. Hein? Parce que ces jardins, ces forêts comestibles, ces jardins agroforestiers, ces systèmes en permaculture, à un moment donné, même s'il y a la frugalité, même s'il y a beaucoup de... On va rentrer dans la notion de fertilité, d'autonomie, de cohérence, il faut quand même que... Voilà, moi, ce serait la pêche de vigne aujourd'hui. Marc-André. Ben... À l'occasion, inviter un enfant ou des enfants qui sont peut-être à la deuxième, troisième génération de citadins à voir ce que c'est qu'une plante et à lui faire comprendre que ça sort du sol. Si vous avez un jardin, vous pouvez faire ça. C'est ce qu'on a prévu de faire dans notre modeste équipe dès la rentrée et notamment d'attaquer la question avec les plantes carnivores. C'est pour ça qu'elles sont ici, grâce à un certain Jean-Jacques que certains connaissent, d'aller vers avec toutes sortes de plantes et profuser, notamment dans ce qui s'appelle encore les cités, puisqu'on a vu de par nos expériences des quelques années, puis on n'a rien inventé, que l'animal et qui plus est le végétal, ça pouvait remettre tout le monde sur les rails et donner du sens et créer des vocations. L'idée, ce sera de créer des vocations parce qu'il est évident, tu en es l'exemple type, en l'occurrence, excuse-moi, puisqu'on ne s'est pas présenté, mais du coup. Hervé. Bah, tu as déjà dit planter des arbres avec les noyaux de pêche de vigne, donc je veux dire couvrir le sol ah. de plein de strates, de couches de végétaux, dans quelque chose qui pourrait ressembler à... Un jardin extraordinaire, plein de verdure, de fruits, d'oiseaux, d'insectes, de musique, de senteurs, de beauté et d'amour. Merci de me faire passer après. On a déjà dit qu'on gardait le meilleur pour la fin, mais on inverse le sens. Hein, tous. C'est pas évident de trouver des solutions après... toutes ces belles préconisations, mais moi je crois beaucoup à la rééducation, à l'information, au débat, à l'échange. Donc c'est que chacun, en rentrant chez soi, on puisse aller taper à la porte de l'ensemble de nos voisins. Alors pour si certains vivent en immeuble, j'avoue c'est un peu compliqué, mais ceux qui vivent en milieu rural c'est peut-être un peu plus simple, en portant un produit, que ce soit culinaire ou quelque chose à boire ou autre, et en échangeant autour de ce produit sur un peu tous les thèmes qu'on vient de discuter aujourd'hui. C'est-à-dire déjà, si on arrive à chacun
sensibiliser et arriver à rediscuter des fois avec le voisin qui fait l'inverse de ce qu'on pense, mais aller le voir justement et discuter avec lui à l'inverse, ben, peut-être qu'on n'est pas nombreux ici, mais avec YouTube et autres, si c'est fois 10 ou fois 20, ben voilà, on aura eu un impact concret sur de l'information et de la sensibilisation. Et sur de l'action, si, sur le terrain, même si c'est un peu de la provoque par rapport à ma passion, c'est si on arrive à favoriser les serpents dans son jardin, c'est qu'on aura déjà accepté beaucoup d'autres choses. Et donc favoriser mais l'ensemble de l'herpétofaune autour de son jardin, c'est une ambition, si on arrive tous à l'atteindre, qui sera vraiment très intéressante. Et bien voilà, tout simplement. Oui. Et entre serpent et serpentin, c'est la même famille, on n'a pas bien... Il y a une racine commune, mais je ne pense pas qu'au niveau en termes d'étymologie, on soit sur la même famille. Quand même. Mais ça peut se combiner. Alors du coup, puisque vous êtes joueur, puisqu'il semblerait que vous soyez enthousiaste, puisque ces convergences, ces connexions, ces symbioses se mettent en place, on nous pose la même question, on nous suggère, parce qu'on nous dit « Ouais, mais c'est plutôt aux élus, aux communes et aux départements de faire quelque chose et tout. » Donc maintenant, on va demander au public ce qu'il faut qu'on fasse dans les communes et à l'échelle des départements. Toujours pareil. Hein ? Voilà, il y en a 5 actions, puisqu'en plus, ils nous regardent, ils nous écoutent, ils nous entendent, vous allez leur dire « On va synthétiser tout ça, vous avez pris des notes, on va faire... » Du coup, on va propulser cette idée. Je suis jardinier, je suis agriculteur, je suis élu, je suis propriétaire d'un bout de terrain. J'ai 5 mètres carrés, mais je peux faire des choses passionnantes. J'en ai 50, j'en ai 500, peu importe, des mètres carrés ou des hectares. Qu'est-ce qu'on propose aux élus de très concret, de très fin, là, tout de suite, maintenant ? Parlez fort, monsieur. Je suppose si on fait l'aspect économique plus qu'écologique, de dire si on fait des couverts végétaux, si on arrête de trop les tracteurs et tout ça, donc on va gagner de l'argent, parce que faire 30 km en tracteur, ça ne fait plus d'essence. Ok. Le tracteur, ça coûte très cher. La tondeuse aussi, hein. Ouais, enfin, on en connaît qui la passe souvent. Ok, faire des économies, laisser faire les plantes. Madame. Planter des arbres et des haies. Hein. Et puis, surtout, n'oubliez pas. Alors, laisser pousser, on ne parlera jamais assez. Nous, planteurs d'arbres, on le fait, mais globalement, on ne parlera jamais assez de la régénération naturelle dite assistée. Hein. C'est-à-dire qu'on est un petit peu là. Planter, laisser pousser. Il y a un potentiel à exprimer. L'énergie solaire qui tombe et qui, comme on l'a dit, qui crame le sol, c'est juste inquiétant. On peut multiplier par 3 facilement, on parle de l'hexagone qu'on connaît bien, on peut multiplier par 3 la quantité de photosynthèse, donc de biodiversité, donc de richesse, donc d'emploi, donc de produits, donc de cadre de vie. C'est ça notre job, c'est effectivement planter et laisser pousser. Et n'oublions pas, le plus important dans la plantation, hein, pour que la plantation soit réussie, vous savez ce que c'est ? Puisque ça obéit à des règles absolues, la plantation. On l'a vu hier encore, la moitié des arbres plantés dans l'Hexagone, dans le monde, ils ne servent à rien ou ils vont crever. La moitié encore aujourd'hui. Hein, on parlait de pédagogie. Maintenant qu'on sait qu'on peut envoyer nos enfants dans le lycée agricole, on est un petit peu rassurés. Hein, mais il y a encore... Qu'est-ce qui est le plus important dans la plantation ? Puisque ce matin, on se dit les choses, visiblement. Là, on avance. Sol vivant... Respecter le cycle le plus important dans la plantation, mais c'est le truc le plus important de loin. La bonne espèce au bon endroit, mais ça, oui. Non, le plus important dans la plantation, vous savez ce que c'est ? C'est le repas qu'on fait après. Parce que c'est là qu'on se dit les choses, c'est là qu'on se parle, c'est là qu'on se comprend, qu'on regarde, cher à Laurent, les regards transversaux. C'est là que ça se passe. Hein ? La corvée, elle doit toujours se terminer par un bon festin avec des produits des uns. Madame, nous vous écoutons. C'est sur ma commune, ce qu'ils font en train de faire, c'est quand les élus proposent quelque chose et les services publics, ça ne colle pas avec la réalité dont vous parlez de Choco Vasse. Mais par contre, ce qui manque ici, c'est la façon que vous avez vu, M. Bart, quand vous êtes devant des agriculteurs, que vous êtes attaqué personnellement, qu'à une fraction de seconde, il faut prendre du recul sur ce qu'on est, sur notre ego, en même temps s'imaginer la réalité de l'autre en face, c'est-à-dire soit être... Enfin, moi, je viens d'un milieu populaire, donc je m'imagine la pensée
pour écouter les agriculteurs et leur réalité. Ça, ça se joue très vite. Et apprendre à réagir en face, apprendre à avoir le bon discours, apprendre à parler avec les mots de l'autre en face, apprendre à parler à cette altérité. Et ne plus être dans les deux camps, mais faire tout avec les autres. Et comprendre aussi l'agriculteur qui est là, qui travaille le dimanche, qui dans son idée, nourrit la planète, qui a certainement un enfant, comme j'en ai beaucoup dans ma commune, un oncle, un enfant qui a été touché par les pesticides et qui a une information, on fait tout le temps parce qu'on est tous dans des études, dans des entonnoirs, on est pour nous, on avance, on ne regarde pas à côté. On est paysan, on avance, on ne regarde pas à côté. Voilà, et c'est faire une démarche de conciliation, et c'est comprendre l'autre en face, et comprendre tous ces mécanismes, tous ces emboîtements. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de presque psychologique à apprendre, et qu'on n'apprend pas. Parce que c'est pas évident de se retrouver dans cette posture, c'est vraiment pas évident. Et moi, j'aurais aimé qu'on en discute autour de ce qu'on ressent, et de comment on fait, qu'est-ce qu'on a en place, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, au moment où ça arrive, ça. Cette situation arrive. Et merci d'avoir eu cette question. Alors, si je peux rebondir là-dessus, qui est extrêmement vrai, je suis régulièrement en contact avec des élus, des gens qui essaient d'organiser des choses, notamment pour les accompagner vers la transition de ce que doivent être leurs espaces verts. Quand je commence à leur dire arrêtez de tondre, il y en a certains, ça leur fait ça, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont gérer leurs administrés, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont gérer leurs équipes, parce qu'ils ne savent pas ce que ça implique. Il n'y a pas la compétence dans les communes pour à la fois comprendre l'écosystème local, l'écosystème purement végétal, ce que ça implique, et en plus servir le dialogue. C'est énorme. Et en fait, c'est une réalité. Il n'y a que très peu de personnes qui savent parler à tous les interlocuteurs. Moi, j'ai une chance, c'est d'être arrivé d'une cité HLM, de parents issus du monde rural, d'avoir connu la campagne, d'avoir balayé les rues. J'ai travaillé dans les rues, etc. Ce qui fait qu'on m'écoute. Parce que quand je vais voir les jardiniers qui commencent à me regarder un peu comme si j'allais les regarder de haut en leur disant « Vous allez faire ça, c'est le nouveau programme, c'est ça qui est bien. » Je dis « Attendez les gars, moi je connais vos problématiques, je sais que vous vous prenez les administrés dans les dents toute la journée, que vous vous prenez les élus dans les dents le reste de la journée et que vous avez vos collègues qui vous disent oh, « ça sert à rien. » Donc c'est super difficile. On est très peu nombreux à pouvoir avoir ce dialogue-là. Et effectivement, comment on se forme à part en participant à ce genre de table ronde ? Alors, c'est de la provoque de dire ça sert à rien d'être ici, mais si ça peut aider à sortir ça, la rhétorique qui va servir, les arguments qui vont servir, c'est prépondérant. Alors, j'entendais tout à l'heure l'argument purement économique, c'est hyper important pour plein de gens. Mais vous allez voir un écolo radical, vous lui parlez de l'argument économique, il dit « Mais attends, tu te fourvoies dans quelque chose, là. On ne va pas parler d'économie, c'est un gros mot. » Et là, récemment, j'ai participé à un dîner hyper select à Paris avec des grands ponts, des mecs du CAC 40, etc. J'y suis allé, je me suis mis un coup de pied au derrière parce qu'il fallait aller les voir, ceux-là aussi. Et on est très peu nombreux à pouvoir s'adresser aux différentes couches de la population. J'espère que participer à ce genre de truc, ça va former des gens à y parvenir. Parce qu'effectivement, il faut remettre son orgueil de côté. Je ne peux pas blairer le CAC 40, je ne peux pas blairer l'économie de marché. Je vais quand même leur parler à ces gens-là. Je bosse pour des chasseurs qui sont des gros viandards de merde parce que c'est ce qu'ils sont. Et bien, d'un autre côté, si j'y vais pas, quelqu'un d'autre va le faire moins bien et va profiter de leur argent pour faire un truc pourri. C'est très dur, mais on va y arriver. Ben, on va, si je peux me permettre, on va d'autant plus y arriver qu'aujourd'hui, de par nos expériences, nos coopérations qui sont nombreuses, modestes, mais nombreuses malgré tout, il n'est pas de sujet qui puisse être refusé. De nos sujets, il n'en est pas qui puisse être refusé s'ils sont bien posés. Et c'est ça qui est intéressant. Je défie quiconque de me trouver un agriculteur contre l'agroécologie. Je défie quiconque. À partir du moment d'en discuter plus d'une heure. Je défie quiconque de me trouver un agriculteur qui soit contre les sols vivants. Je défie quiconque de me trouver un élu qui soit contre la régénération naturelle assistée en bord des fossés qu'il a sur la commune. Je défie quiconque de me trouver un maire qui soit contre le fait de moins tondre et d'organiser la gestion de la tonte. Je défie quiconque.
Encore faut-il qu'on ait eu les 2 heures d'acculturation. Dans les programmes de loi, dans les programmes d'orientation, il faut le temps de l'acculturation, de la discussion. Pourquoi Dieu a inventé l'apéritif ? Pour qu'on se parle. Pourquoi Dieu a inventé l'apéritif ? Faut pas déconner, je veux dire, il se serait pas emmerdé avec ça. Il avait déjà la mobilette, il avait déjà la tronçonneuse, il avait le satellite, il avait Marc-André Sellos aussi à s'occuper, parce qu'à l'époque, pour foutre le bordel, maintenant il parle des SVT, mais pour foutre le bordel, celui qui nous a appris à faire exploser les grenouilles avec des pétards, c'est lui, hein. Mais après, on regardait comment c'était fait. Et non, mais vous croyez, là on est en été, mais d'habitude il arrive avec une cravate, avec les boutons de manchette et tout. Mais c'est lui qui nous a appris tout ça. La biologie appliquée, Marc-André, nous l'a à l'époque. Hein, et Marceau qui coupe les pieds de vigne en deux pour nous montrer au combien on a déconné, etc. Donc il faut le regarder avec précisément. En tout cas, moi, en tout cas, c'est peut-être ce qui nous anime quelque part. Il n'est pas de nos sujets qui soient contre-indicatifs, contre-productifs, qui soient pénalisants pour qui que ce soit. Il n'y a pas de pénalité. On l'a dit d'ailleurs en introduction. Tiens, il y a de la biodiversité là, tout d'un coup. Il n'y a pas de biodiversité qui soit un problème. C'est toujours la solution. Il faut juste inverser le temps et du regard et du dialogue et de croiser justement tout ça. Est-ce qu'il nous reste une suggestion au regard de l'heure, puisque nous allons respecter, nous avons encore 10 minutes. Si je peux me permettre, Alain, juste une réaction par rapport à ce que vous disiez. On parle beaucoup de passer à l'action. Moi, je suis convaincu, il est urgent d'agir. Mais la pédagogie en amont de l'action est primordiale à la réussite et à la pérennité. Clairement, moi, j'ai des exemples. Tu parlais de régénération en bordure de route. On a travaillé sur la gestion différenciée des bords de route avec des communes ou même avec la DIRSO, donc la direction des routes ici dans le sud-ouest. Et comme Alain l'a dit, très rapidement, eux ont été convaincus et ils se sont mis à faire. Mais derrière, il faut voir toutes les critiques, les insultes, et ils ont été victimes de tout. Ils ont été obligés et forcés par leurs dirigeants d'abandonner et de repasser par une procédure de sensibilisation, d'information des usagers avant de s'y remettre. Et c'est vrai que ça, il faut qu'on y pense. On a tous envie là, d'agir, parce que c'est urgent, il faut. Mais surtout, ne pas occulter ce côté sensibilisation, formation. Vraiment, le côté pédagogique est essentiel si on veut que les actions perdurent ensuite dans le temps. Ou parfois, quelque chose va se mettre en œuvre, mais très rapidement, comme ça ne sera pas accepté localement, on n'aura pas pris ce temps d'acceptation, ça sera abandonné ou on reviendra à des systèmes qui rassurent. Et ça sera des fois même contre-productif. Quoi. Mais puisqu'on me pose, on me demande, on me dit, mais venez en Bourgogne. Ben, on y était la semaine dernière avec Conrad. Et on avait 22 vignerons viticulteurs et ça s'est extrêmement bien passé. On y était, ça s'est extrêmement bien passé et ils vont se mettre au boulot, ils vont créer un groupe, ils vont faire des conférences, des formations, des essais, il faut juste y aller. Y a-t-il une question pour clôturer, monsieur ? Ah ben, il se cache dans le public. Mais il progresse vers l'avant, hein, tel l'affût. Moi, si j'avais une proposition à faire aux élus, ça serait de aller dans leur parc public, dans leur jardin public, s'asseoir sur le banc qu'ils ont installé et regarder comment se passe la nature, se reconnecter un peu avec la vue qui a tout autour et puis vivre avec le temps de la nature. Et peut-être ça ouvrirait des portes pour voir comment ils peuvent avancer sur leurs aménagements urbains et sur la vie en général liée à ce mouvement et à ces fonds. Ok, écoutez le chant des oiseaux, n'est-ce pas ? Bon, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il va falloir qu'on prenne une heure par semaine, une heure de temps par semaine pour regarder l'autre, pour regarder un sujet ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Hein ? Le temps, donner un peu de temps, pour regarder l'autre ou autre chose que, effectivement, et on le dit des agriculteurs que l'on connaît bien, le quotidien... Nous rattrape un peu trop souvent. Une autre remarque, suggestion ? Ou on en reste là ? Madame, nous vous écoutons. Vous êtes très assidu, on vous voit souvent, vous. Au fond, mais assidu. Sans y connaître grand-chose, je suis vraiment novice, je trouve que la biodiversité, voilà, au-delà de son application en agroécologie, c'est formidable pour repenser aussi
notre modèle économique et la manière dont on interagit entre nous, les liens sociaux. C'est-à-dire que, voilà, ils ne sont pas... une des éthiques de la permaculture, c'est le partage équitable des ressources. Et je pense, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on essaie de toujours garder à l'esprit. Et cette biodiversité, en fait, il faut qu'elle puisse profiter à tous. Voilà. Et il ne faut vraiment pas qu'on tombe dans le travers. Enfin, voilà, vous parliez d'aller discuter avec les mecs du 440. Il ne faut vraiment pas qu'on tombe dans le travers où tout ça, en fait, ça va se faire réapproprier parmi toute petite minorité, dans une vision utilitariste et à son profit. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, que du coup, on pourrait partir de la biodiversité aussi pour repenser plein d'autres choses. Voilà. Et aussi la manière dont on partage les ressources et dont on construit les relations entre nous, qui pourraient être beaucoup plus basées sur la mutualisation. C'est pas très bien exprimé, mais voilà. Je crois qu'on a compris. Vous venez d'où et pourquoi vous êtes là? Si tant est que ça nous regarde. Non, mais on se pose toujours la question de savoir pourquoi, on se doute un peu, mais d'où vous venez et qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Je suis là, je pense qu'on a tous des intérêts différents à être là, mais je suis là parce que voilà, je pense réellement que déjà, voilà, il faut qu'on sorte d'une vision utilitariste de la nature. Et je suis là parce que ben, je pense que c'est vraiment la clé, quoi. Enfin, l'agroécologie peut être vraiment la clé pour aussi pour toute la glaciation sociale qu'on est en train de vivre. C'est aussi un moyen de faire la paix, voilà, et de sortir de toutes ces problématiques sociales dans lesquelles on est totalement enfermé. Voilà, monsieur, vous disiez, moi je viens d'une cité HLM. Peut-être que si vous l'avez dit, c'est parce que voilà, la majorité ici ne viennent pas d'une cité HLM. Et donc voilà, si vous voulez, c'est aussi, je trouve que c'est un moyen de qu'on recommence à se parler, quoi, qu'on recommence à se rencontrer. Hein. Voilà, on a des problèmes qui sont très divers, qui sont complémentaires et en même temps qui, de toute façon. Oui, on a des problématiques qui sont toutes complémentaires. C'est hyper difficile de dire à quelqu'un qui habite en zone rurale, de faire comprendre à quelqu'un qui vit en zone rurale, qui est né en zone rurale, ce qu'est le quotidien de quelqu'un qui a grandi dans une cité HLM. Quand on entend ces gens dire « Ah oui, mais en fait, ils devraient vivre à la campagne, ce serait facile. Non, vous êtes mignons. Ah, il n'y a qu'à faire des jardins en ville. » Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne suffira jamais. Jamais, jamais, jamais. Les gens vivent dans des conditions où ça fait la deuxième, troisième, quatrième génération parfois qui ne savent pas ce que c'est qu'une plante. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une plante. Les plantes qui sont dans leur environnement sont un décor. Ils n'ont absolument pas fait le lien entre la graine qui a poussé et ce qui les nourrit. J'ai eu un chiffre une fois qui m'a complètement désarçonné. J'ai discuté avec une nana qui est dans l'agro-industrie, donc tout va bien. Dans la filière lait, du côté de Besançon, donc vraiment région très laitière, on leur demandait d'intervenir dans les écoles, faire de la pédagogie autour de la filière lait. Voilà, c'était du greenwashing avant l'heure, mais bon, malgré tout, ça, c'est comme la journée du goût qui est financée par le sucre. Bon, on a des actions comme ça qui se font. Et elle me disait, la statistique officielle du côté de Besançon, c'est qu'il y a 60% des enfants de moins de 10 ans qui ne font pas le lien entre le lait et la vache. Voilà, ça, ce sont des réalités. On a affaire à des gens qui ne se comprennent pas, qui n'ont absolument aucune idée de ce que sont les enjeux écologiques. Et quand on leur parle de biodiversité, ça leur rentre par une oreille, ça leur sort par l'autre, parce que ça ne veut rien dire pour eux. Très clairement, rien. Et si, quand on demande... Il y a une statistique qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps, un sondage, où la réponse était que 70% des personnes ne considéraient pas la lutte contre l'érosion de la biodiversité comme une priorité, mais les mêmes personnes, on leur a demandé s'ils étaient contre la mort du panda, ils auraient tous répondu oui. Parce que c'est quelque chose qu'ils identifient. La biodiversité, ça ne veut rien dire.
pour l'immense majorité des gens aujourd'hui, même si nous tous, c'est évident. Il y a plein de gens pour qui ça ne veut absolument rien dire. Et je rejoins tout le monde quand on dit qu'il faut de la pédagogie à la base. Et malheureusement, on a la pédagogie qui doit s'adresser aux plus jeunes enfants aujourd'hui à tous les niveaux de la société, dans toutes les strates. Et en même temps, une urgence climatique notamment, une urgence en termes de d'érosion de la biodiversité qui fait que bah, ça va être juste, quoi. Il va s'en passer des choses entre le moment où ces mômes qui rentrent en maternelle là, qu'on va enfin pouvoir prendre aux mains, et le moment où ils seront adultes et qu'ils pourront agir sur l'environnement, ça va être réel. Donc il n'y a pas un moyen, il n'y a pas deux moyens, pas cinq moyens faciles, c'est qu'il faut agir partout. Partout. Et quand on parle du colibri, je suis désolé, ça me fait doucement rigoler. Le colibri, il est bien mignon, mais dans la vraie histoire, il y a un sanglier derrière qui va tout défoncer. Le colibri, il vient pour arroser l'incendie et le sanglier va défoncer les humains qui ont déclenché l'incendie. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'il faut agir à tous les niveaux. Et s'il n'y a pas un militantisme fort pour foutre la pression... Moi aussi, j'ai un problème avec le véganisme en termes politiques. D'un autre côté, s'il n'y avait pas L214 pour avoir alerté plein de gens sur ce qu'étaient les conditions d'élevage, il y a plein de gens qui consommeraient toujours autant de viande et qui ont réduit leur consommation de viande. Et ça, c'est prépondérant. Donc, agissons partout, à tous les niveaux, et surtout là où on est chacun compétent. On a tous ici des domaines de compétences extrêmement différents, j'imagine. Moi, je ne suis pas un agronome, je ne suis pas un scientifique, je suis un jardinier. Et j'aime bien parler. Et puisqu'on parle de viande, appelons un chat un chat, puisqu'il y a viande et viande, et qu'il est possible que la viande du bocage sur des prairies permanentes soit peut-être pas tout à fait la même qu'une autre qu'on aimerait moins manger. Hein, c'est ça aussi de caractériser, d'identifier et de mettre des indicateurs de résultats extrêmement précis, parce que pour l'instant on dit la viande, sauf qu'il y a un curseur de 1 à 25 entre une et l'autre. Une qui est forcément désastreuse, cancérigène et bourrée de problèmes et de tout ce que vous savez, et puis une autre qui est peut-être certainement vétueuse, ne serait-ce que pour maintenir ces 25% de prairies, enfin 20 et quelques pourcents de prairies sur des contrées sous des latitudes sur lesquelles on ne peut rien faire d'autre. Et dans la diversité, dans la biodiversité de ces paysages, ça compte aussi et c'est important que de le mettre en perspective. Il nous reste 2 minutes en tout. Il n'est pas possible que dépasser le créneau. Donc la question sera d'une courtesse qu'on n'a jamais vue, mais d'une précision aussi importante. Une proposition pour les élus, j'ai entendu que c'était ça, j'aurais entendu. N'oublions pas que les élus ont le devoir de se former, et c'est important, je ne suis pas sûr qu'ils l'utilisent suffisamment, c'est dans la loi cadre, hein, les élus doivent se former, ils ont du temps et des moyens pour ça. Donc la proposition qu'on peut faire, nous on a créé une association qui s'appelle Passage, on a un projet qui s'appelle Passage pour recréer des corridors écologiques à grande échelle, et donc j'invite tous les élus, toutes les bonnes volontés aussi à nous rejoindre, à nous contacter pour s'ils ont des questions, s'ils ont envie de favoriser la diversité chez eux. Nous, on peut apporter un diagnostic, on peut apporter des compétences, on peut apporter de la formation. L'idée, c'est d'aller former des équipes sur place, basées sur la bonne volonté des propriétaires locaux, faire des réunions publiques, amener le diagnostic local, de dire là, il faudrait des corridors, là, il y a de la vie, là, il faudrait que ça passe. On peut nous apporter ce côté diagnostic et créer des équipes sur place qui vont mettre en place ce que nous, on aura imaginé avec eux. Donc nous, on a ces compétences-là de diagnostic et de mise en place, de formation. On veut impliquer les écoles aussi, on veut impliquer la population. Nous, on peut impulser des choses, mais il faut que les gens se motivent. Comme tu disais, c'est à chacun de faire, à tous les niveaux de faire. Et donc on a cette association qui est là. Ça peut se faire sans ça, on peut créer tous des pépinières chez soi, on peut tous aller de chez soi à son voisin, replanter des haies, il y a quelque chose de technique, il y a des techniciens, il y a des spécialistes, c'est très bien, mais il y a aussi des manières très simples de faire, on n'est pas obligé de passer par des spécialistes, on peut laisser faire les choses, on peut sanctuariser des zones et ça va se développer aussi tout seul. Après il faut peut-être adapter pour le futur et donc là on a peut-être besoin de réfléchir un peu plus, adapter à ce qui se passe avec l'agriculture locale, aux besoins locaux et aux besoins du futur. Mais voilà, nous on a cette association Passage qui est créée, on a besoin de bonne volonté et les élus, on est à votre disposition pour venir. On va commencer dans le Limousin avec une commune qui s'appelle Vic-sur-Breuil et on est là pour ça et on a envie de créer plein de petits groupes, de former plein de petits groupes de passeurs pour recréer ces corridors. Ok, d'accord. Même si on veillera à la sanctuarisation, parce que dans ces modèles agroécologiques, on a souvent plus de biodiversité que dans les lieux pour lesquels on voudrait la laisser vivre toute seule comme une grande. Donc, mais on rediscutera de ça plus tard, puisqu'on a tout l'après-midi 2 ateliers où on va parler du jardin, de l'agrément, de la biodiversité, puis on va parler de soigner les plantes par les plantes
avec tous les grands spécialistes que vous avez et que vous voyez au programme. Il nous reste une minute pour chacun d'entre vous, pas une minute pour chacun d'entre vous, une minute en tout. Est-ce que vous avez quelque chose d'important à dire, Marc-André? Non, non, mais sur juste bon pour appétit. Rebondir sur le problème d'aller vers les plus jeunes. Moi, je forme des profs donc de bio, hein, et ensuite ils m'invitent à donner des conférences. Ben, je peux vous dire, il y a des régions de France où quand vous commencez à parler de la plante, tout le monde baille. Ça n'existe pas comme question. Quand vous commencez à parler de la santé, là, les gamins, ils se réveillent et tout. Mais je vous assure, la plante et encore plus le sol et l'origine de la nourriture, ce n'est pas une question pour 90% des gamins qui nous entourent. Et donc, avant d'avoir un message à donner, il faut trouver les moyens d'intéresser. Ben, bonjour, moi, je ne sais pas encore faire. Hein. On voit ça, on voit ça. Marceau. La petite histoire, quand même, c'est que Francis Allais s'est intéressé aux plantes après s'être intéressé aux animaux, en fait. Il était persuadé que c'était les animaux qui allaient l'intéresser, mmh. Et les animaux lui ont fait découvrir les plantes, puisque les animaux mangent les plantes. Il sera peut-être mycologue, ouais. Enfin, mais ça, ouais, t'as une vie d'avance sur lui. Eric, as-tu quelque chose à nous dire? T'as un micro à côté de toi. Ouais, c'est bon, merci. Est-ce que j'ai quelque chose à... Bon, on va demander à Hervé, et puis ça, d'ici là, ça va revenir. Oui, ben, j'ai juste un truc important à vous dire. Hein. C'est que la vie est belle. Et puis, faites des enfants. Comme ça, on en aura des bons, bien formés et bien militants. Pas trop. Pourquoi pas trop? Enfin, on ne va pas redébattre de ça. N'oubliez pas qu'avec cette permaculture, ces cultures étagées, cette diversité, on va avoir des fruits, des baies, des lianes, de l'abondance. Hein. On se dirige vers l'abondance tout naturellement. La croissance. Mais là-dessus, on sera intransigeant. La croissance végétale, elle est nécessaire. S'il y a bien un milieu qui ne se satisfait pas de la décroissance, c'est le sol. Il lui faut sa ration quotidienne de matière fraîche. Et ça, c'est extrêmement important. Cette notion agronomique, elle est absolument essentielle. Elle est vitale. C'est pour ça qu'on ne parlera plus jamais de productivisme, mais de productivité. Il faut donner sa ration au sol. Et sa ration au sol, c'est des plantes. Nous en récupérons modestement le grain ou le fruit. Laurent. Je passe toujours après un brillant orateur, c'est terrible. La prochaine fois, je me mettrai en plein milieu. Donc, que dire si ce n'est que j'ai hâte. Je vois plein de gens qui commencent à boire l'apéro derrière. Donc, voilà. Que j'ai hâte d'aller trinquer avec certains d'entre vous parce que je ne connais pas. Je connais que Nicolas, je pense, dans la salle. Et que j'ai hâte d'échanger, de débattre avec certains d'entre vous parce que oui. Je vois plein de gens passionnés qui ont envie. Donc, hâte de me retrouver à l'apéro pour discuter. Et du coup, Eric. Donc, moi, mon expérience, c'est que l'immersion marche extrêmement bien. Si on veut sensibiliser les enfants, les jeunes à ça, c'est l'immersion. Et tout comme s'enfermer avec des viticulteurs pendant 2 jours, ça immerge les viticulteurs dans quelque chose à quoi ils n'avaient pas envie d'être immergés. Emmener des gens à un endroit et leur dire, voilà, c'est comme ça, passer du temps pour leur expliquer comment ça se passe et leur dire que ça peut être chez eux, c'est bien. Mais les immerger au quotidien, c'est carrément autre chose. Si vous laissez justement la nature revivre au sein des villes, avoir des espaces où les gamins tous les jours vont passer devant un endroit nourricier, pouvoir piquer des fruits, c'est tout bête, hein, mais si sur le chemin de l'école ils peuvent piquer des framboises, au bout d'un moment ils vont percuter que les framboises ça se mange et que ça pousse, tandis qu'auparavant ils n'en avaient aucune idée. L'immersion pour moi c'est prépondérant. Un peu d'interdit, on en parlait hier avec Hervé. La transgression. Hein, la transgression qui fait faire une très grande progression.